Bonjour bande de psychopathes, ici Merlin Boss pour le troisième épisode de Vade Retro sur Comet Busters. C'est parti! Hop! Bon! Du coup, même principe, une partie en normal, enfin en simple. Et ensuite, on verra, en fonction du temps qui reste, si on arrive à... Enfin, si on se fait du difficile ou pas. Par miracle, apparemment, ma config est restée. Même si j'ai déjà utilisé... Même si j'ai utilisé des machines virtuelles entre temps, et oui, du coup, j'utilise la technique que j'ai plus ou moins apprise la dernière fois. C'est-à-dire... tuer l'alien dès le départ pour avoir plus de points, et ce... voilà, bref. Sinon, il y a Explique qui m'a fait un magnifique... magnifique bug, j'avais pas de son pendant... mon test, je me suis dit, bon, je vais quand même faire un test réglo. On sait jamais, puis en fait, j'ai bien fait. Enfin bref, mais du coup, si c'est aussi simple de faire des vidéos sur Comet Busters et que ma config, ma résolution est restée la même, bah, ça plus souvent. Hein. Je me basais un peu sur le fait que c'était galère, mais apparemment non. Bon, maintenant, on connaît mieux les techniques. Nice! Pas mal de points! Du coup, je sais pas s'il faut avoir le prochain. Ça risquerait d'être un peu limite. On va voir ça. Attention, on est quand même au niveau 2. Il y a moyen qu'il y ait des petites têtes qui se ramènent. On a pu voir dans l'épisode précédent hein, que... Bah, quand impossible. Au final, le bouclier, c'est pas si terrible que ça. Enfin, c'est pas si bien que ça, plutôt. Et en fait, je me rends compte que depuis tout à l'heure, j'ai le jeu qui masque ma webcam. Enfin, en partie, quoi. Mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. Hop. D'accord, tout est nickel, oui, oui. Les hallucinations, c'est génial. Bon. Arrêtons de faire des conneries. Et c'est parti, bon. Bon, bon, bon. Du coup, ouais, épisode précédent, ça avait bien commencé. On a fait n'importe quoi après, enfin j'ai fait n'importe quoi plutôt. Vous, je ne sais pas ce que vous faisiez derrière l'écran en regardant la vidéo. Hein. Non. Oula, il y a un petit bug. Non, 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 non. Faut pas que je fasse comme ça, que je fonce sur les gros météores et que je les attaque de près. C'est extrêmement dangereux pour les têtes, justement. Enfin, d'ailleurs, elles devraient pas tarder à arriver. Je sais pas où elles sont. Normalement... Elle vient au niveau 2, d'après mes souvenirs. Donc bon. Attention à l'alien. Ah, on est quasiment à... Quasiment à 10 000 points. Du coup, on va pas le... Faisons pas les cons. Bon. Je sais pas si je vais les avoir, mes 10 000 points, n'empêche. D'après, ouais. Oh putain, les têtes. Connard! Enfoiré! Attends, va te faire foutre! Non mais... J'ai tellement envie de restart là, mais non. Putain de merde! Oh mais sérieux, j'avais mes 10 000 points, j'étais content, et là, je perds 2 vies. Ok, dans ta gueule, va te faire foutre. Je viens d'exploser mon bouclier, c'était violent. Bon. Ne nous laissons pas abattre, continuons. En parlant de ne pas se laisser abattre, le dernier épisode d'Isaac, oh mon dieu, c'est vrai qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo là, l'épisode 2 de Comet Busters n'est pas encore sorti d'ailleurs, enfin, je l'ai pas encore posté surtout, je vais sans doute refaire du Isaac juste après là, oh putain, mais de... Eh, ces aliens, sérieux. En fait, c'est eux qui me détruisent à chaque fois, c'est un truc de fou. Ou alors le bouclier qui décide de ne pas marcher d'un coup en mode... va te faire foutre. Ok. Wow, c'était magnifique, ça. C'était tellement random. Enfin bon. Non, non, mais j'ai fait exprès. Hein. J'ai fait exprès de bloquer son tir et ensuite de le tuer en un seul coup. Bien sûr. Enfin... Ouais, du coup, ça se passe pas très bien, on est déjà à 2 vies, là. Mais bon, on va essayer de se rattraper un peu, je sais pas trop comment on va faire, mais on va essayer.
Du coup, le bonus, c'est pas une bonne idée, là. Ouais, j'aurais pas... J'aurais pas mes 20 000 avant. Oula. Pas n'importe quoi. Puis combien de points donnent les aliens, en soi? Pas 500, un truc comme ça. Ouais, je pourrais gratter. On va essayer, allez. Faisons... essayons des strats. Bon, par contre, si l'alien tue le météore, j'ai le seum. Mais détruit le tout petit météore qui reste, c'est possible. Hein. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. J'ai encore pas regardé exactement combien de points il me donne. 200, un truc comme ça. Bon, je suis à 740. Essayons de pas nous faire tuer par le prochain alien, ce serait cool. Oh putain, il est trop près là, il est trop près là. Ah non, il donne pas mal de points. Et nice! On a notre vie. Et maintenant, on peut potentiellement gagner le bonus pour avoir encore plus de vie. On dirait pas comme ça, mais ce jeu est vachement stratégique à ce niveau-là, au niveau du gain de vie. C'est assez ouf. Enfin, après, il faut connaître le mécanisme, bien sûr, mais... Ah, le bâtard! Bref, j'ai tiré à côté. Du coup, j'ai niqué le bonus. Non, génial. C'est bien d'avoir des strats, mais c'est bien d'arriver à les exécuter aussi. Ça peut servir. Bon, on évite de tuer les... De tuer les météores. De détruire tous les météores, bordel! Avoir des petites têtes partout après, ça va être n'importe quoi. Bon. Essayons de la jouer à la Super Envy. Ne détruisons pas tout d'un coup. Oh putain, ça c'est chiant ça. Alors, s'il va venir vers moi, non, ça va. Essayons d'optimiser un peu. Oh bah bah bah, qu'est-ce qu'il fasse. Je sais pas s'il me donne des points. Si, si, je crois que les petites têtes me donnent des points aussi. Mais bon. Je pense pas que ce soit la chose la plus importante sur laquelle insister. Les petites têtes, faut surtout s'en débarrasser avant que Kaldu massacre. Bref. Non, bien placé. Je vais quand même activer mon bouclier, on ne sait jamais. Bon. Bref. Bon. Du coup, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques vues sur ces vidéos. Bon, pas des masses, bien sûr. En même temps, j'ai pas fait de vidéo pendant presque aussi longtemps qu'Antoine Daniel. Non, quand même pas. Mais... Je ne suis pas Antoine Daniel. Mais bref. Je remarque aussi que ces derniers jours, il y a une petite baisse d'abonnés. Mais ça, j'en parlerai dans la vidéo sur Isaac. Parce que c'est plus, ça correspond plus à la chose. Pour moi, c'est bon signe. Ça veut dire que les gens voient mes vidéos. Et donc, ils se disent, tiens, lui, il existe encore, justement, ce que j'avais dit en revenant. Et je suis encore abonné à ce type, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, je viens de gâcher un... Ouh, c'était dangereux, ça. Et je viens de détruire mon bonus. C'était très con. Bon, c'est pas grave, tant pis. Enfin, je viens pas de détruire mon bonus, mais je viens de détruire le potentiel gain de vie, là. Mais quel enfoiré! Tiens, tiens, j'avais activé le bouclier! Ouais, ça c'est relou par contre. Bon. Du coup, je ne sais encore plus ce que je vous disais. Faut bien que ça arrive à chaque vidéo. Je sens que les petites têtes vont me massacrer là. Qu'est-ce que je disais, hein? Putain! Pourquoi j'arrive à prévoir les choses comme ça? Ça me rend ouf. Genre, il a fallu quoi? Une seconde pour que ce que j'ai dit se réalise quand même. C'est fou. Bon. Allez, essayons de regagner des vies. C'est faisable. Un peu compliqué là, mais. Surtout que c'est pas le bonus qui va m'aider, je pense. Au contraire. Voilà. Faut être patient en fait, c'est ça le délire. Voilà. Non. Avec ce gros con qui va tout péter tout seul. Je parle bien sûr de l'alien. Bon. Parfois le bouclier s'active pas quand je veux, ça m'énerve ça, bon. Après comme j'ai dit, ça peut être à la fois dû à la machine virtuelle et à la fois au jeu de base qui me faisait le coup aussi, donc bon.
Enfin. Ouais, du coup, pour les points, ça va être un peu tendu. Hein. Ça va être un peu tendu, voire complètement impossible. Bon. Va falloir skip le bonus, ce qui va nous foutre dans la merde, mais bon, tant pis. On peut pas tout faire. Je sens une nouvelle vague de petites têtes, là. Pas encore. Bon. Débarrassons-nous de tout ça. Avant de s'attaquer au gros, bien sûr, c'est l'alien qui va s'en occuper. Merci, connard. Bref. J'arrête d'insulter, je sais pas. C'est vraiment défouloir, du coup, ce jeu. À chaque fois que je joue à Code Buster, j'arrête pas de... Bref. C'est plutôt marrant, mais bon. Bon, du coup, hein, pas de bonus, comme on a dit. Surtout pas... Mais quel putain ! Contrôle, bordel ! C'est ma touche pour... J'ai appuyé, bordel, de fucking dessus ! Ah ! Sérieux, c'est pourri, là. Yen de merde. Putain, je vais te défoncer, connard ! Et maintenant, 21h. Crève ! Merci, Canadien. Bon. Donc là, je suis dans la merde. Bon. Faire avoir par les petites têtes à tous les coups. Oh putain. Pardon. Rien dit. Je n'ai rien dit. C'est encore rien passé, d'accord. Ça va le faire. Toujours le coup de stress à ce niveau. Pourtant, il est dangereux, ce niveau. Bon. Allez, pas de petites têtes maintenant. Laissez-moi tranquille. Pas tout de suite. Hop, 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 saloperie. Bug à la con. Bon, je suis en vie, je sais pas comment. C'est moi tranquille. Putain, j'ai plus de bouclier. Quasiment plus. Donnez-moi des vies, bordel. Non, non, non. Je te déteste. Bref. Qu'est-ce que tu fais? What the fuck? Est-ce que ça se voit, ça? Non, heureusement. Non. Je m'en fous, le jeu. Ah, sérieux, on a régressé, non. Ah, merde, bon. Pas grave. J'ai encore pas mon truc pour le nombre de minutes, c'est malin. Bon, quand même genre impossible. Hein. J'ai le seum, bon. C'est pas grave. Du coup, allez, c'est parti pour une autre partie en impossible avec le disrupteur, du coup. On va prendre cher. Je pourrais gérer en médium aussi, ça pourrait être intéressant. Mais bon. Ça, faudrait jouer depuis le début, je pense. Ce serait plus adapté. Bon. C'était pas de bol, on va dire. Ouais, tiens, je peux utiliser la technique de l'alien, du coup. Mais c'est vrai que les aliens sont galères à avoir, impossible. Je sais plus combien me donne le premier bonus. Putain, mais il est trop rapide, ce truc! Comment je suis censé... Comment tu veux que... Comment je suis censé attraper ce machin, sérieux? C'est pas possible. C'est impossible. Bon. Allez, deuxième round. Maintenant qu'il doit arriver... Ouais, me repérer par rapport à la musique. C'est vrai que j'ai pas de bouclier. Bon, je vais peut-être pas attendre 3 ans non plus. Allez, si le troisième je me loupe, je laisse tomber. On va dire ça comme ça. Bon. Mais ouais, parfois j'arrive à me repérer par rapport à la musique pour les. Enfin, pour le premier et le deuxième en général. Vu qu'ils arrivent au même timing la plupart du temps. Bon, laisse tomber. Oh, putain, mais pas le jeu. Mais non, quoi, mais... Non, 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 je refuse. Je refuse. On recommence. C'était quoi ce bullshit? Bon. On laisse tomber la technique de Alien et on démarre parce que là... Genre le pire parti au monde, quoi. Bon. C'est vrai que du coup, j'ai le disrupteur, j'ai pas de bouclier, du coup... C'est la merde. Du coup, bah, faut se méfier, faut rester loin de l'alien. Faut pas prendre de risques débiles. Mais au moins, ce qui est cool, c'est que justement, bah, on n'a pas trop à se soucier des petites têtes qui sont ultra présentes.
impossible et qui du coup détruisent le bouclier si on l'utilise, donc ça sert absolument à rien quoi. Même pas se protéger. Wow, c'était un peu dangereux ça justement, c'est le genre de truc que je dois pas faire. Parce que trop dangereux. Faut s'attaquer aux météores qui sont très rapides et qui risquent de nous massacrer comme celui-là par exemple. Pardon. Une humeur spéciale moi aujourd'hui. Bon. Putain, j'ai eu l'alien, sérieux. Nice. Putain, quand il faut pas, enfin quand je veux pas, j'arrive à l'avoir, c'est bien. Mais ouais, faut s'attaquer aux météores rapides. En même temps, si j'arrive pas à les avoir, ça passe pas. Non. Oulala, je le sens pas lui, je le sens pas. Ah mais j'y arrive pas, hein. J'arrive pas à faire ce que je veux, c'est frustrant. Bon. Ah, je l'ai eu, nice. Bon. Il y en a encore certains assez rapides. C'est, à mon avis, c'est la meilleure strat, ça, donc... y aller doucement. Bon, après, il y a toujours ce grand malade qui peut nous avoir, mais oh putain, les petites têtes. N'oublions pas, disrupteur. Hop là, bon. Ça passe pas trop mal. Je pense que le bonus nous mettrait hors... faut que je trouve un mot pour le bonus alien et le bonus de vie. C'est pas un mot qu'il faut que je trouve. Faut que je trouve. Voilà, putain d'alien de. Bref. Ils sont calmes. Putain, je voulais faire une partie d'Isaac après ça. Je sais pas comment ça va. Je sais pas si ça va le faire. Putain, j'ai failli me faire tuer. Bon. C'est horrible. C'est très mauvais. Bon. Allez, essayons de progresser un peu quand même. Normalement, on devrait pouvoir gagner un bonus de vie si on ne se fait pas littéralement massacrer entre temps. Pas une bonne idée ce que je suis en train de faire là. Tellement pas une bonne idée. Je pense que le disrupteur n'est pas infini, donc ce serait bien que je m'en charge. Casse-toi, mais putain de météore quoi. Là par exemple c'est le genre de moment où faut utiliser le... ou pas. Bon. Qu'est-ce que t'es censé faire dans cette situation, sérieux. Sérieusement. Là, je suis foutu, hein, c'est clair. J'ai envie d'activer tout le temps le disrupteur parce que là, ça peut dévier un petit peu la trajectoire de certains météores qui me foncent dessus, ça peut être bien, mais... Ils sont en ligne droite sur moi, je suis KO, mort, déchetterie, quoi. Qu'est-ce que je raconte. Non. Il reste plus que des petits, c'est génial. Non. Qu'est-ce que je fais. J'ai pas de bouclier, arrête tes conneries, reste au milieu. Bon. J'arrive à prévoir un petit peu certaines trajectoires, mais bon, c'est pas évident. Non. On est pas prêt d'avoir un bonus de vie. Bref. Bon, Ah, sérieux, ce jeu. Bon. Pourquoi j'écris dans le vide? Bon. On sort mieux que la dernière fois, on... Quoique, bon, ça doit être... Bref. Oui, je régresse. Alors... Timing. On est déjà à 20 minutes. Ce serait abusé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah. La vidéo en cours, ça. Qui a été créé à 20h48. Bon, bah ça fait exactement 20 minutes, décidément. Bon. Un peu rapide, mais... Mais c'est ça qui est bien avec ces vidéos aussi, je pense. Ah. A mon avis, à partir de la prochaine, je commencerai à vous montrer des petits trucs... des petits trucs en plus sur le jeu, parce que, bon... C'est bien de... D'avoir le petit concept, une partie en simple, une partie en difficile, mais... Mais voilà, ça va se répéter un peu, sinon... Bon, en tout cas, c'était Merlin Boss pour le 3e épisode de Vade Retro sur Comet Busters, et on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine, tout le monde. Et évidemment,
J'ai oublié ça. À la prochaine.